Qu'est-ce qui vous sépare de Laurent Wauquiez? Dites-moi. La PMA, par exemple, vous êtes d'accord avec lui. Pas seulement avec lui, d'ailleurs, aussi avec le Front National, etc. Mais le gouvernement a décalé mais maintenu le projet. Vous êtes militante de la Manif pour toutes. Je ne suis pas militante associative de la Manif pour tous, mais j'ai participé aux manifestations de la Manif pour tous. Vous êtes contre la PMA étendue à toutes les femmes? Absolument. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la porte ouverte, qu'au nom de ce beau principe d'égalité qu'on nous brandit comme un étendard chaque fois en France, aujourd'hui ce sera la PMA, demain ce sera la grossesse le pour GPA, autrui. Le GPA, c'est un risque de marchandisation, pas la PMA. Mais si, d'abord aussi, parce qu'on va avoir ce qui est aujourd'hui un don, demain pourra devenir marchand, bien sûr que c'est dans les rouages, évidemment. On reviendra sur la GPA, je suis sûre qu'on y viendra au nom de l'égalité. Je ne vois pas pourquoi vous interdirez à un couple d'hommes de ne pas avoir d'enfants si vous le permettez à un couple de femmes. Ça, c'est évident, on y viendra. Et d'autre part, je pense que là, avec la PMA, en autorisant la PMA pour des couples de femmes lesbiennes, on fait la part belle au droit à l'enfant et on oublie le droit de l'enfant.